C'est une exposition qui décloisonne, une véritable immersion dans l'univers du photographe américain Roger Ballen. À travers son travail, l'artiste installé en Afrique du Sud depuis plus de 30 ans questionne l'absurdité de la vie humaine. En fait, c'est tout un questionnement sur notre existence. D'ailleurs, à la fin de l'exposition, il y a une vidéo qui s'appelle Apparitions, dans laquelle il pose la question de notre existence. D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on devient ? L'exposition qui se tient en ce moment à la centrale électrique mélange installation, vidéo et photographie. Une première à Bruxelles pour cet artiste exposé dans les plus grands musées du monde. Les photos sont très psychologiques. Le travail traite les problèmes de l'existence humaine, de la psychologie humaine, mais elles sont aussi très contemporaines. Mon travail photographique est très différent de celui des autres. Mais avant de pénétrer dans l'univers de Roger Ballen, ce sont les visages de Ronny Delru qui nous accueillent. Un artiste gantois dont le travail s'intègre parfaitement aux compositions surréalistes de Ballen. Je crois que l'art a aussi ce rôle-là à jouer, c'est parfois de transcender les questions politiques. Et on vit pour le moment des moments un peu difficiles avec les subsides en Flandre. Et je crois que l'art, justement, est très important dans notre société parce qu'il permet de questionner beaucoup de choses et de nous positionner aussi par rapport à notre propre existence dans une société et dans une époque. Une exposition à découvrir au musée de la Centrale, place Sainte-Catherine jusqu'au 14 mars.